Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la. Merci beaucoup Alexandre de cette présentation. Je remercie l'espace Dickens pour son accueil et vous deux, Alexandre et Caroline, pour avoir participé à l'organisation et de participer au déroulement de cette conférence, cette manifestation. En fait, quand j'ai découvert, grâce à vous, l'espace Dickens, et puis j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la charte institutionnelle de l'association de l'espace Dickens et ses valeurs auxquelles j'adhère totalement. Et j'ai été particulièrement intéressé par une des missions de l'espace qui était de renforcer la capacité de la société civile à s'engager et agir pour la justice sociale et le respect de l'environnement. Et ça, évidemment, c'est pile dans ce dont je vais parler ce soir, et notamment dans ma conclusion, parce qu'il me semble que dans la situation actuelle, la conjoncture actuelle, le renforcement de la solidarité internationale est... Donc la capacité à gérer les problèmes, les tensions que connaît le monde actuellement, dépend beaucoup de l'action de la société globale, de la société civile, pardon. En fait, quand on parle de relations nord-sud, de la coopération au développement, il y a de multiples facettes. Il y a les aspects financiers, les aspects commerciaux, les aspects sécuritaires, etc. Et moi, je vais me concentrer sur l'aspect dit coopération, action humanitaire, c'est-à-dire ce qui est souvent regroupé sous l'égide de l'aide au développement. En fait, une dimension des relations extérieures des États et de l'action de beaucoup d'ONG, donc de la société civile, qui a pour objectif, en tout cas déclaré, d'aider, de protéger les communautés les plus vulnérables du monde, et notamment dans les pays du Sud. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde l'histoire de cette coopération, qui, en ce qui concerne la coopération au développement, démarre après la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que ces objectifs ont considérablement et constamment évolué. En fait, se sont élargis. Ça a commencé par des dimensions purement économiques, de rattrapage, par une croissance accélérée. Ensuite, on s'est préoccupé de lutte contre la pauvreté. Ensuite, il y a eu les problèmes d'environnement qui se sont ajoutés à ça. Après la fin de la guerre froide, il y a toutes les dimensions politiques et institutionnelles du développement, avec la lutte pour la défense, la promotion des droits humains, avec des problèmes de gouvernance institutionnelle, de démocratie, etc. Et pour finalement avoir un retour aux questions de sécurité, de nouveau, après les attentats du 11 septembre. Mais le champ s'est constamment élargi. Et la meilleure indication de cet élargissement, c'est évidemment les objectifs du développement durable, avec ces 17 objectifs et je ne sais plus combien, 169 sous-objectifs. Donc ça montre à quel point le champ est large. En ce qui me concerne, j'ai cherché un peu de synthétiser tout ça. Et puis je me suis arrêté au concept de sécurité humaine. Vous avez là, sur l'écran, la définition de la sécurité humaine, qui est un concept qui a été, je dirais, ressuscité ou développé par le programme des Nations Unies pour le développement en 1994. Notez bien, juste après la fin de la guerre froide, c'est pas du tout un hasard. Et ce qui me paraît intéressant dans ce concept, c'est qu'il allie deux choses qui étaient quand même assez séparées. C'était d'un côté d'améliorer le bien-être matériel des gens en leur donnant accès à des biens, à des services dans toutes sortes de domaines, mais aussi d'avoir le souci de leur protection, de leur sécurité, donc la sécurité humaine, parce que dans les relations internationales, quand on parle de sécurité, jusque-là, on parlait de la sécurité des États. Or, la sécurité humaine, c'est la sécurité des individus, la sécurité aussi des communautés. D'ailleurs, quand je faisais des recherches sur l'histoire de la coopération, je suis tombé
et que j'avais cette idée d'utiliser le concept de sécurité humaine, je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup étonné, que je trouve intéressant. C'était la première fois que j'ai trouvé la formule, peut-être qu'elle avait été utilisée auparavant, enfin une formule qui est là-dedans, qui était lors de la fameuse rencontre entre Roosevelt et Churchill en 1941 sur un bateau de guerre américain au large de la Terre-Neuve. Ils ont signé un document qui s'appelle la Charte de l'Atlantique, et où ils faisaient déjà des plans pour l'après-guerre. Les États-Unis n'étaient pas encore rentrés en guerre à ce moment-là, mais enfin, ils n'étaient pas neutres non plus dans le conflit. Et en fait, quand on lit cette déclaration de l'Atlantique, c'est un texte assez court. Ils disent, voilà, le monde qu'on veut construire après la guerre, c'est un monde où les gens, la population soit « free from fear and free from want hein? ». Donc, à la fois la dimension matérielle et la dimension aussi de liberté, droits humains, etc., etc. Et je ne m'étais pas rendu compte que cette expression-là avait déjà été utilisée par des diplomates en 1941 hein, et reprise par le PNUD 80 ans plus tard, à peu près, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a cette capacité, cette formule de synthétiser un peu tout ce qu'il y a dans ses objectifs. D'ailleurs, si on continue de regarder sur le plan de l'histoire, on se rend compte que ces idées-là se trouvent aussi dans la Charte des Nations Unies qui date de 1945. Hein, je ne vais pas vous lire ce qui est sur là, mais enfin, vous avez ces éléments-là où il y a à la fois le bien-être matériel et puis aussi le respect fondamental, le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ce que j'aimerais faire rapidement, disons, dans cette présentation, c'est tout d'abord évoquer les tensions qui aujourd'hui globale, disons, qui touche l'ensemble de la planète et qui affecte justement considérablement la sécurité humaine de larges segments de la population dans les pays du Sud, mais aussi une partie de la population dans les pays du Nord, les pays dits à haut revenu. Deuxième partie, un peu les mécanismes internationaux de gouvernance globale qui ont été mis en place pour essayer de gérer ces tensions, de les réduire, si possible. Et puis finalement, dans ce contexte-là, et le contexte actuel de tensions géopolitiques, quel peut être le rôle de la coopération au développement ou de l'action humanitaire? Est-ce qu'il y a encore un rôle pour essayer d'améliorer la sécurité humaine? Alors quand on regarde les tensions, première partie, on se rend compte que la mondialisation accélérée quand même, qu'on vit maintenant depuis quelques décennies, n'a pas réduit les énormes disparités qu'il y a entre les niveaux de vie, la qualité de la vie des êtres humains, selon, je dirais, deux paramètres, celui de leur situation géographique et celui de leurs conditions sociales. La mondialisation a certainement contribué à intégrer les économies. Est-ce que c'est un facteur de paix comme beaucoup ont cru? Ça, c'est une question, je pense, qui reste tout à fait ouverte. Mais en tout cas, la mondialisation n'a pas réussi à réduire, on va le voir, les disparités qu'il y a entre les différents groupes de population. En revanche, la mondialisation a certainement accéléré les changements profonds qui affectent la planète, changement climat, environnement, etc., etc. J'évoque trois tensions. Une, c'est la pauvreté et les inégalités. La seconde, c'est tout ce qui est lié au climat et à l'environnement. Puis le troisième, c'est celui de la violence armée, la tension qui est liée à la violence armée organisée. Alors si on regarde la question de la pauvreté et des inégalités, d'abord c'est un domaine où les économistes s'en donnent à cœur joie.
de multiplier les indicateurs pour mesurer la pauvreté, mesurer les inégalités, etc. Ce qui donne lieu évidemment à beaucoup de discussions parce que finalement quand on utilise ces indicateurs, tout dépend du choix des indicateurs, du choix des périodes de référence, etc. On peut à peu près démontrer n'importe quoi. Cependant, si on regarde un peu quelques rapports quand même sérieux qui ont été faits là-dessus, il y a quand même un consensus, disons, qui se dégage, qui est le suivant. C'est de dire qu'au point de vue international, globalement, si on prend les grands ensembles, les écarts tendent à diminuer entre les pays riches et les pays plus pauvres. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, la croissance plus lente ces dernières décennies dans les pays du Nord, et puis la croissance plus rapide dans des pays du Sud. Et là, évidemment, quand on regarde l'impact, d'où vient cette réduction des inégalités internationales, il y a la Chine. La Chine qui a quand même réussi, non sans certains coûts, disons, mais quand même à sortir de la pauvreté absolue des centaines de millions de personnes. Et ça, ça a une incidence globalement, certainement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si on regarde les extrémités de l'échelle en termes de pays, on se rend compte qu'aujourd'hui, là j'ai trouvé ces statistiques-là, si on prend le produit intérieur brut par habitant des 10 pays les plus riches, où ce produit intérieur brut par habitant est le plus élevé, et les 10 pays les plus pauvres, où il est le plus bas, figurez-vous qu'on a un rapport d'environ 100. Entre les deux. Hein. Vous avez les 10 pays, parmi les 10 pays les plus riches, je ne vais pas vous les citer, mais il y a 3 pays du Sud, hein, il y a même 3 pays et un territoire, il y a Singapour, il y a les Émirats Arabes Unis et il y a le Qatar, qui sont dans le top 10, hein, et puis un territoire qui est Hong Kong, aussi dans le top 10, et vous avez là des pays qui ont un produit intérieur brut de environ 70 000 dollars, en calculant en parité de pouvoir d'achat, alors que dans les pays les plus pauvres, on arrive à des pays qui ont un PNB par habitant de l'ordre de 700 dollars. Donc on a vraiment ce rapport de 1 à 100. Donc ça, c'est une première chose, hein, c'est de relativiser la question. Il y a une convergence, mais si on regarde d'un peu plus près, elle est quand même assez, assez relative. Puis l'autre alors phénomène, qui est la croissance des inégalités à l'intérieur des pays, hein, ce qui est un tout autre indicateur. Et là, vous avez par exemple, ici je vous ai mis un petit tableau. Ici, attendez, c'est la bonne... Oui. Vous avez ici un tableau, par exemple, qui indique, avec d'autres indicateurs que l'indicateur purement économique, les différences qu'il y a en prenant l'indicateur de développement humain du PNUD. Prenez le premier de la liste, hein, celui qui a le meilleur indice de développement humain, c'est la Norvège. Le Niger, qui était l'année que j'ai pris en 2020, le dernier de la liste. Et voyez les écarts, hein, les écarts de revenus. Là, entre ces deux, les écarts, la scolarisation, qu'on considère comme important, et quand vous pensez qu'au Niger, il y a en moyenne 2,1 années que les gosses vont à l'école, de 2 années en moyenne, vous imaginez qu'il y en a énormément qui n'y vont pas du tout. Hein. Et puis ensuite, 20 ans d'écart aussi dans les espérances de vie liées à la naissance. Donc, ces disparités, elles sont là et elles continuent de croître malgré les efforts qui sont faits depuis des décennies pour essayer de lutter contre la pauvreté absolue. Le deuxième élément, c'est les problèmes climatiques, deuxième source de tension et environnementaux. Et puis, c'est dû évidemment au modèle de développement dominant, hein, qui est fondé sur une croissance constante de la consommation de ressources non renouvelables et aussi la consommation excessive de ressources renouvelables,
Donc les deux types de ressources sont surutilisées, surexploitées. Et puis évidemment, tout ce qui va avec pollution, perte de biodiversité, etc. Et en fait, ce que je dirais, c'est que quand on observe ce phénomène, on se rend compte à quel point le modèle qui était à la base de la coopération au développement, qui était le modèle du rattrapage, hein, où il s'agissait pour les pays du Sud de rattraper par une croissance plus rapide les pays du Nord, c'était ça le grand plan, on se rend compte à quel point ce paradigme-là est complètement dépassé. Ce qu'on voit aussi, ce qui est le deuxième point que j'ai mentionné sur ces problèmes d'environnement, en fait, c'est de voir que les émissions de CO2, qui est quand même l'indicateur le plus important pour le changement climatique, le plus souvent utilisé, dépend à la fois des régions, c'est ce que montre ce tableau, des différents continents, et puis aussi des catégories de revenus à l'intérieur. Hein. Et là, l'étude que je cite ici, qui a été par toute une équipe, avec notamment Thomas Piketty, prend trois catégories de population, les 50% les plus pauvres, les 40% du milieu, et puis les 10% les plus riches. Et là, vous avez sur ce tableau la production de CO2 pour ces différents groupes. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant de voir que les disparités sont gigantesques à l'intérieur des pays eux-mêmes. Et vous voyez que là, de nouveau, on retrouve des rapports entre la production de CO2 des 50% plus pauvres d'Afrique et puis des 10% les plus riches d'Amérique du Nord. On a un rapport là non plus de 100, mais de 150 entre les deux. Et en fait, la conclusion principale, disons, que je voulais donner à partir de ces données, c'est si ces tensions liées au climat, à l'environnement, touchent par définition l'ensemble de la planète, elle met en évidence l'asymétrie, justement, nord-sud, des causes et des effets de ces phénomènes. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, les causes, ça vient surtout des pays du Nord, mais aussi du style de vie, du style de consommation des gens riches dans les pays plus pauvres. Et ça tient aussi, ce sont aussi ces pays-là qui risquent de souffrir le plus ou qui souffrent le plus de ces phénomènes-là. Et en fait, quand on regarde un autre élément, c'est de dire quels sont les pays les plus vulnérables. Ça, c'est une étude qui a été faite par les Nations Unies. Quels sont les pays les plus vulnérables par rapport au changement climatique? Vous avez dans la colonne de... Dans la deuxième colonne, les cinq pays les plus vulnérables, vous les avez là. Et les pays, si vous regardez la quatrième colonne, quels sont les pays les moins bien préparés? Vous avez le même type de pays. Donc en fait, c'est les pays les plus vulnérables qui ont le moins de ressources pour s'adapter au changement climatique. Et évidemment qu'on peut dire exactement le contraire pour les pays les plus riches, qui sont aussi les pays qui sont les mieux préparés. Si je passe maintenant aux troisièmes sources de tension, donc qui est la violence armée, c'est un phénomène aussi qui se développe constamment. On parle évidemment beaucoup aujourd'hui de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, qui est le principal conflit international. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la centaine de conflits qui sont recensés par les instituts spécialisés, il y en a plus de 90 qui sont des conflits internes, hein, qui sont des conflits internes et qui provoquent un certain nombre un énorme nombre de victimes et qui sont le principal facteur aussi, ou un des, je pense, parmi les différents facteurs, le principal facteur de déplacement forcé de population.
Et un point sur lequel je pense qu'il faut attirer l'attention, parce qu'on oublie souvent ça quand on parle de violence armée, ça, dans les recherches que j'ai faites, j'ai surtout utilisé le concept de violence armée organisée, hein, pour distinguer de la violence armée individuelle, disons, de la criminalité commune, mais organisée. Et en fait, j'en arrive à dire que parmi les formes de violence organisée, il y a la violence, je dirais, de nature vue, perçue en tout cas comme étant essentiellement de nature politique, avec des causes politiques, pour faire sécession d'un territoire ou pour contrôler un territoire, ou des luttes de pouvoir à l'intérieur d'un pays. Et puis il y a la violence armée de nature qu'on pourrait dire purement criminelle, hein, donc les gangs. Liés à la drogue, etc., etc. Et en fait, moi, c'est une expérience que j'ai faite au CICR, c'est de me rendre compte que si on se met à la place des personnes qui sont victimes de cette violence armée, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Et au CICR, je me suis rendu compte qu'on avait développé une approche de la violence armée des gangs urbains. Je me rappelle, les premières expériences, c'était en Haïti, par exemple, qui est peut-être un des pires endroits au monde par rapport à ce type de violence, où finalement le dialogue que le CICR cherchait à engager avec les chefs de gang était exactement du même type que celui qu'on cherchait à engager avec les chefs de groupes armés qui avaient des objectifs politiques. Sans parler évidemment du phénomène qu'il y a beaucoup de ces groupes armés qui ont des objectifs mixtes, hein, qui sont criminels pour obtenir des ressources pour pouvoir continuer le combat, etc. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important, qu'il ne faut pas oublier, les points communs entre ces deux types de violences. Et en fait, juste pour terminer sur cette première partie sur les tensions, on se rend compte que, ça c'est une étude qui vient des Nations Unies, de OCHA, du bras humanitaire des Nations Unies, on se rend compte que les pays qui sont les plus vulnérables, les 15 pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique, vous avez la liste des pays qui sont là, sont tous des pays à faible revenu, et puis ils ont un certain nombre de caractéristiques ici, ils sont évidemment moins bien préparés, la plupart sont dans une situation de conflit ou ce que les Nations Unies appellent de grande fragilité sociale ou institutionnelle, crise sanitaire, etc., etc. Donc vous avez là un groupe de pays qui sont, peut-être qu'on pourrait reprendre l'expression de Frantz Fanon, hein, sur les damnés de la Terre, pour les qualifier. Et puis ces trois facteurs de tension, inégalité, pauvreté, environnement, climat et violence armée, interagissent les uns avec les autres, justement pour produire ces mouvements, ces déplacements forcés de population. Hein, vous avez peut-être vu ces derniers jours le haut commissaire, le patron du HCR, annoncer qu'il y avait, je ne sais pas combien, pas loin de 100 millions de personnes déplacées, des chiffres en croissance totale. Et ça, évidemment, est aussi un des thèmes les plus controversés, en tout cas dans les pays du Nord, hein, une source de tension, elle aussi, à l'intérieur des pays, sur ce phénomène-là. Je n'ai pas besoin de beaucoup insister là-dessus. Et alors, la question qui se pose à partir de ce tableau, qui est assez sombre, c'est quand même de dire, mais quelles sont les réponses que ce qu'on appelle la communauté internationale a cherché à apporter à ces phénomènes-là. Et en fait, si on regarde les mécanismes, les institutions qui ont été mises en place par la communauté internationale, justement, on se rend compte que ce sont des mécanismes qui sont assez défaillants, disons un peu le terme que j'utilisais. Ils sont faibles et il y a beaucoup de trous dans ces phénomènes-là. Il y a beaucoup de... Ce sont un peu des passoires. Si on passe très très vite, je ne vais pas insister là-dessus, ces mécanismes-là, on se rend compte, et là je m'inspire d'une étude qui a été faite il y a quelques années par un économiste français qui s'appelle Severino,
qui a fait une critique justement de la coopération au développement, de l'aide au développement. Et lui, il dit que le principal problème de l'aide au développement aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle la jungle institutionnelle. Hein? Et il a recensé, j'ai quelques chiffres, 200 institutions publiques bilatérales, 200, 250 multilatérales, dont 40 des Nations Unies, des milliers d'ONG, fondations, etc., etc., avec évidemment tout ce que ça pose comme problème de coordination, double emploi, doublon, etc., etc. Et il dit, comment on ne peut pas gérer cette jungle institutionnelle, puis, parce qu'on pourrait dire, oui, il faudrait qu'il y en ait moins, mais qui est-ce qui va décider ceux qui doivent disparaître de la scène, très difficile. Deuxièmement, insuffisance des ressources, hein, et là, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais enfin, ça fait maintenant à peu près 60 ans, pas loin de 60 ans, que le comité d'aide au développement a fixé, ou les Nations Unies plutôt, ont fixé cet objectif de transférer 0,7% du revenu national, produit national, sous forme d'aide au développement. C'est répété constamment. On en est à 0,36. Et puis, l'année passée, plusieurs pays, dont la Suisse, ont annoncé « Ah oui, on a augmenté l'aide au développement ». Mais quand on regarde pourquoi, c'est lié à la guerre en Ukraine et c'est lié à l'accueil de réfugiés ukrainiens, hein, qui explique là. Et pour d'autres pays, l'aide a diminué. Donc, insuffisance des ressources, pléthore d'organisations, insuffisance de ressources. Et puis, la troisième critique fondamentale qu'on peut faire, c'est la nature des relations entre les acteurs du Nord et du Sud. Et puis, donc, l'asymétrie, disons, de cette coopération. Je toucherai ça plus rapidement, un peu plus tard. L'autre élément, sur la question du climat. Là, il y aurait évidemment énormément à dire, mais je me concentre sur une seule chose. D'abord, les dimensions Nord-Sud, des problèmes de lutte contre le changement climatique. Et deuxièmement, la question des ressources financières. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a régulièrement, donc il y a toutes sortes d'organisations qui ont été mises en place et qui sont discutées dans le cadre des COP. On est maintenant à la 28e COP qui est en préparation. Et la question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de l'adaptation des pays à ces changements, c'est un thème qui revient tout le temps. Or, moi, ce qui me frappe et me fâche d'une certaine façon, c'est de voir qu'on est dans un exercice depuis des années qui est dominé par des soucis de communication. Il faut que les gouvernements doivent communiquer qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et en fait, c'est du vent. C'est du vent. Je vous donne juste une petite illustration. À la dernière COP, celle qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh, qui était sur le point de terminer par un échec total. Mais finalement, dans la dernière nuit, on est arrivé à trouver un accord. Et le lendemain matin, la conférence n'est pas un échec. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, alors on va créer un fonds pour loss and damages, hein, pour les pertes et les dommages subis par les pays du Sud, etc. On va créer un fonds, donc grande victoire en avance. Donc, quand on regarde les choses de plus près, j'ai été voir le communiqué, le détail de la déclaration finale de la conférence. Qu'est-ce qu'on a décidé à Sharm el-Sheikh? C'était de nommer une commission qui aurait pour mandat d'étudier la possibilité de créer un fonds pour loss and damages qui ferait rapport à la prochaine COP donc, qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis. Alors que les engagements pris en 2015 d'arriver à transférer 100 milliards de dollars par année à partir de 2020, hein, aux pays les plus pauvres pour l'adaptation, ça n'a pas été tenu. Hein. Ça n'a pas été tenu, on a repoussé, on a dit en 2020, et puis aujourd'hui, on n'y est pas toujours. Et puis quand vous regardez les résultats de la conférence de Bonn de la semaine passée, hein, pour préparer la prochaine COP, on se rend compte, j'ai lu des termes, des déclarations absolument désespérées
de Gutiérrez, hein, qui lit, là je vous lis le truc en anglais, qui fait le commentaire sur la conférence de Bonn: « I see a lack of ambition, a lack of trust, a lack of support, a lack of cooperation, an abundance of problems around clarity and credibility. » Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc là, il y a, et moi je crois que le mot qui est clé dans la déclaration de Gutiérrez, c'est le mot de trust, le manque de confiance. Et actuellement, quand on regarde parmi les tensions qu'il y a entre Vienne et Nord-Sud, il y a ça. C'est qu'il y a un manque de confiance totale. Et puis, quand on regarde ce qui se passe au COP, on peut comprendre cette méfiance. Troisième élément, la lutte contre la violence armée, organisée, contre les conflits, etc. Voilà, je veux dire, on se rend compte que la principale institution qui est responsable de ça, c'est les Nations Unies, plus précisément le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand on regarde voilà, ce que le Conseil de sécurité a pu faire ou pas faire dans ce domaine-là, le bilan est tout à fait lamentable. Hein, le bilan est tout à fait lamentable. Et on se rend compte, je crois qu'on peut être extrêmement sévère à l'égard de certains, en tout cas des membres permanents du Conseil, qui non seulement arrivent par leur veto à bloquer toute tentative d'action pour mettre fin à des conflits, que ce soit au Moyen-Orient, Israël, Palestine, que ce soit la Syrie, etc., etc. Mais en plus, on constate que toutes les avancées qui ont été faites ces dernières décennies en matière de protection de la population, que ce soit le traité contre les mines antipersonnelles, que ce soit la Cour pénale internationale, etc., il y a trois des membres du Conseil de sécurité permanent, les États-Unis, par ordre alphabétique, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui ne sont pas partis de ces traités. Donc, voilà, de qui se moque-t-on, hein, on pourrait dire, si on est un tout petit peu passionné là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, et ça j'arrive bientôt à ma conclusion aussi, ce dont on se rend compte, c'est que les États ne sont pas à même d'assumer les responsabilités qui sont les leurs, simplement si on suit les engagements qu'ils ont pris, ne serait-ce que dans la Charte des Nations Unies. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Ils ne peuvent pas parce qu'il y a un manque, je dirais, de volonté et une impuissance. Il y a les deux choses. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas, simplement. C'est-à-dire la faiblesse des États face à des intérêts acquis, les vested interests, on dit comment, les intérêts acquis, enfin des défenses d'intérêts. Et je crois que là, la meilleure illustration, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais il suffit de regarder la liste des participants au COP, hein, de voir que dans la dernière COP à Sharm el-Sheikh, il y avait environ 450 représentants des lobbies pétroliers, de gens qui étaient à la conférence avec l'étiquette pétrole, hein, qui était là, et parmi les 450, la plus grande délégation qui comptait 70 lobbyistes, c'était celle des Émirats Arabes Unis qui organise la prochaine COP, hein, et dont le président sera le patron de l'entreprise pétrolière des Émirats Arabes Unis. Alors, voilà, encore une fois, on peut se poser des questions. Donc, manque de impuissance, je dirais, dans ce cas-là, de résister à ces pressions-là. Ce qu'il faut, et ça, on peut le dire pour dans toutes sortes de domaines où les États sont bloqués, en fait, parce que le pouvoir économique, il est de changer les comportements économiques, il est entre les mains des grandes entreprises transnationales et non pas des gouvernements. L'autre aspect, c'est l'aspect de la... Oui, aussi du manque de volonté de pousser les choses, parce que les États doivent aussi faire face au conservatisme de citoyens, là je parle surtout des pays du Nord, qui sont peu désireux de modifier leur mode de vie, leur style de consommation, etc., et qui ont soit peur de perdre un certain nombre de conforts qu'ils ont, et puis qui ont aussi, qui sont craintifs par rapport à l'avenir, hein, qui ont aussi peur de la mondialisation, de l'intégration, des mouvements de population, etc., etc. Donc voilà, donc les gouvernements, il y a aussi dans la population
une partie importante de la population qui résiste à ça par crainte de changement, qui ne comprend pas la nécessité du changement, qui ne se rend pas compte, au fond, moi, c'est une chose qui me frappe toujours, à quel point on pourrait, quand on se promène dans un supermarché et qu'on regarde des rayons de certains produits, on se dit qu'on pourrait quand même vivre à peu près aussi confortablement avec, 5 à 10 fois moins de produits. Hein. Si vous regardez, par exemple, des cosmétiques, les 6 sortes d'eau de Javel qu'on peut acheter à la Migros, je ne parle pas des rayons de nourriture pour animaux domestiques, etc. Non, je veux dire, on peut réduire très fortement notre consommation sans que ça touche à notre confort. Mais enfin, ça, c'est un autre thème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette attitude des États, d'abord, fait que y a pas d'action résolue, puis les objectifs de développement durable, ça va rester très probablement des très beaux plans. Et il y a ça d'une part. Et puis d'autre part, on se rend compte que il y a un autre effet pervers de cette attitude-là, qui est, et ça c'est un point que j'ai pas mal regardé dans le dernier bouquin, qui est le délitement de la coopération internationale, j'entends multilatérale. Il y a un affaiblissement des organisations internationales qui est absolument, qui est très clair, et il y a un indicateur sur lequel, si on s'intéresse un peu à ça, on peut regarder, c'est voir la façon dont les gouvernements financent les organisations internationales. Hein, ils le font en faisant des contributions générales au budget, ce qui est vraiment l'aide multilatérale, mais ils font aussi en faisant des contributions qui sont affectées, des fonds qui sont affectés, hein, earmarked, on dit en anglais, pour des objectifs précis. Hein. Et ça, c'est un affaiblissement de la coopération multilatérale, parce que les organisations multilatérales, en principe, ce qu'elles peuvent, elles ne sont pas sans défaut, hein, je ne dis pas ça, mais ce qu'elles ont pour avantage, c'est d'être le mieux qu'on puisse faire en termes de définir et défendre des intérêts généraux, hein, de toute la population de la planète et pas de telle ou telle région, pas de tel ou tel pays. Or, on affaiblit ça parce que les gouvernements, en faisant des contributions, en disant « oui, on va vous soutenir, mais alors il faut que vous fassiez ceci, cela », ils cherchent à aligner les organisations internationales sur leurs propres priorités à eux. Hein. Et puis, ils font ça aussi pour des soucis de visibilité, etc. Toujours est-il que ça, c'est vraiment un élément qui est tout à fait critique, c'est la part de l'aide aux organisations internationales qui, en fait, détruit le multilatéralisme dans la mesure où les gouvernements utilisent les organisations internationales comme une agence d'exécution, hein, de leur propre programme. Donc voilà une image assez... assez peu encourageante, disons, de la situation. J'en arrive rapidement à la dernière partie, pour dire que malgré tout, faut pas baisser les bras. On n'a pas cette option de dire bon, ben voilà, il y a pas grand chose à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et l'approche que j'ai utilisée, c'est la suivante. C'est de voir quels sont les domaines, dans le domaine de la coopération au développement et de l'action humanitaire, quels sont les domaines sur lesquels il y a un consensus, en tout cas au niveau du discours. Hein. Première chose, il n'y a personne qui dit non, ça on ne veut pas. Non, il y a des tas de domaines où les gens sont d'accord au niveau du discours, etc. Puis deuxièmement, ça c'est le point peut-être le plus important, deuxièmement, c'est des mesures que les gouvernements peuvent prendre unilatéralement. Il y a des tas de mesures où il faut arriver à un accord international, hein, mais il y a des mesures qu'on peut prendre unilatéralement. Chaque gouvernement dit moi je vais faire comme ça. Hein, je vais faire comme ça. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai mentionné ici quelques points. Réduire l'asymétrie des relations, donc déclaration de Paris, Grand Bargain, etc. Des choses comme ça. Donc il y a des tas de mesures qui peuvent être prises pour réduire l'asymétrie. Et ça, tout le monde, il y a des déclarations, tout le monde est d'accord avec ça. Alors pourquoi ne pas le faire? Deuxièmement, ce que je viens de discuter, je viens de mentionner, renforcer l'aide multilatérale, ça c'est clair. Et puis troisièmement, accroître la pertinence de l'aide, c'est-à-dire de faire en sorte que
l'aide soit beaucoup plus centrée sur ces objectifs essentiels, de mon point de vue, liés à la sécurité humaine. Et là, je signale, il y a une institution en Angleterre qui fait des choses extrêmement intéressantes, qui s'appelle Overseas Development Institute, ODI, et ils ont sorti un index, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, qui s'appelle le Principled Aid Index, donc, et qui fait des propositions sur comment on pourrait évaluer la qualité de l'aide par rapport aux objectifs déclarés de la coopération, hein, par rapport à ces objectifs déclarés, et de pouvoir monter un indice quels sont les pays qui s'approchent le plus de ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a cette approche-là. Donc on peut faire ça. Et ça, c'est des mesures, encore une fois, que les États peuvent prendre de façon tout à fait unilatérale. Et ça, ça peut se faire rapidement, ça peut se faire d'une année ou à l'autre. La Suisse ou un autre pays peut décider demain, c'est même dans le domaine de compétence de la, je ne sais pas si c'est du chef du département ou bien de la directrice de la DDC, de dire on va faire moins d'aide multilatérale, hein, et on va faire plus d'aide vraiment multilatérale, ou bien on va appliquer mieux les principes de Paris. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, hein, mais je veux dire, il y a des tas de mesures qui peuvent être prises comme ça. Alors après, à plus long terme, je dis à plus long terme parce que ça, c'est des mesures qui nécessitent alors des discussions internationales et de la recherche de consensus internationaux. Et là, c'est de prendre en compte le changement de la scène sur l'aide internationale par rapport aux acteurs, ceux qui financent. Alors, on est resté au point de vue institutionnel sur définir l'aide, coordonner les politiques d'aide. L'institution principale, c'est le comité d'aide au développement de l'OCDE. Et ça, depuis 1961, hein, que ce comité a été créé. Donc, il s'est élargi, il y a plus de pays, il y a des pays d'Europe de l'Est, etc. Mais ça reste quand même le club de pays riches occidentaux, en gros. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Or, aujourd'hui, les fournisseurs d'aide se sont considérablement diversifiés. Alors, c'est clair, quantitativement, soi-disant nouveaux donateurs, ça représente quoi? Il y a des définitions différentes de ce qui est aide, etc. C'est assez compliqué à calculer tout ça. Mais disons, le CAD estime qu'il représente à peu près un sixième de l'aide, à peu près, ces pays-là. Mais encore une fois, c'est sujet à discussion parce qu'ils n'emploient pas les mêmes définitions, etc., etc. Toujours est-il qu'ils jouent un rôle important. Ils jouent un rôle important. Par exemple, il y a eu des années où la Turquie était le premier fournisseur d'aide humanitaire au monde, hein, avec les réfugiés syriens, etc., etc., des choses comme ça. Donc, il faut un nouveau cadre institutionnel pour définir ce que c'est que l'aide, ce que devrait être l'aide, coordonner les politiques, etc. C'est clair que ce n'est pas demain qu'on va voir ça arriver, les Chinois, et voilà, autour de la table pour discuter de ça. Mais en tout cas, ça, c'est une perspective très importante. Et puis, revoir aussi le périmètre de l'aide. L'aide, aujourd'hui, c'est devenu un méli-mélo. On a ajouté sans arrêt des choses à la définition de l'aide pour faire augmenter, faire gonfler les chiffres. Et puis, donc, il y a une nécessité, à mon avis, urgente de redéfinir le périmètre de l'aide pour le centrer davantage sur les objectifs liés à la sécurité humaine. Puis le dernier point, alors ça serait le thème d'une conférence à soi tout seul, c'est de dire, mais ça c'est une question que je me pose, puis Severino fait aussi une allusion à ça, c'est de dire, mais finalement, tout le paradigme de l'aide, c'est quelque chose de temporaire. Alors ça peut durer quelques décennies, mais c'est quand même temporaire. Hein. C'est le fameux truc, on apprend aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Hein. Donc, s'ils sont autonomes, etc. Or maintenant, il y a quand même 70 ans ou plus que ça continue. Et on n'en voit pas la fin. Et alors la question que je me pose, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue de raisonner comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas l'aide au développement, notamment aux pays les plus pauvres, aux communautés les plus pauvres, comme on considère l'aide à l'agriculture, par exemple,
Il n'y a personne qui a dit que l'aide à l'agriculture, c'était d'aider les agriculteurs jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Hein. Ou bien la sécurité sociale, des choses comme ça. Donc pourquoi ne pas concevoir l'aide d'une autre façon, c'est-à-dire un transfert permanent de ressources. Mais encore une fois, ça c'est un thème qui mérite beaucoup plus d'approfondissement. Mais en tout cas, c'est une chose sur laquelle on peut réfléchir. Alors, ceci étant, donc j'arrive à la conclusion qu'il ne faut pas attendre grand-chose des États, en tout cas à court terme, sauf des améliorations qui peuvent être importantes, enfin, qui dépendent de la volonté des États, de leur volonté. Ce n'est pas une question d'être puissant ou impuissant de faire ça. Ils ont la capacité de le faire, est-ce qu'ils veulent le faire? Et là, je pense que j'arrive à la conclusion, c'est, je pense que les seules forces qui peuvent agir actuellement, c'est justement celle de la société civile. Parce qu'elles ont cette capacité d'exercer des pressions, elles ont la capacité qu'elles peuvent et doivent encore développer considérablement d'agir internationalement, hein, parce que je pense quand même, malgré tout ce qui a été dit sur la diversité des valeurs, les valeurs asiatiques, les choses comme ça, qui n'ont pas la même conception des droits humains, etc. Ça, je ne pense pas que ce soit une réalité. Moi, j'ai regardé ce que faisaient les ONG dans les pays asiatiques. Ils ont exactement le même discours que les ONG de droits de l'homme dans les pays scandinaves ou en Suisse ou ailleurs. Donc, il y a vraiment une communauté. Et cette communauté-là, c'est sur elle, je crois, qu'il faut compter pour faire bouger les choses. Donc, vive la société civile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, justement, pour... comme couverture pour le troisième volume du titre, une manifestation des Fridays for Future, hein, avec les leaders qui viennent d'Équateur, d'Ouganda et du Kenya, voilà. Notamment Madame Nakate, qui est au milieu, je crois, ici, qui a fait une déclaration aujourd'hui à Paris, au sommet de Macron sur le financement du développement. Mais enfin, je crois que c'est vraiment de là que vient l'espoir de faire bouger les choses. Donc je crois vraiment que la société civile a cette capacité de faire bouger les choses. Et je crois qu'en Suisse, on a eu une illustration. Bon, ça n'a pas marché, mais de justesse. Mais l'histoire de l'initiative sur les multinationales, par exemple, ça a failli marcher. Donc il faut continuer. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup.